Il y a une maladie qu'on appelle la fatigue. La fatigue. Hein? Ça, là, très souvent, là, c'est les femmes mariées qui ont cette maladie-là. La fatigue, c'est une maladie. Très souvent, là, c'est la maladie des femmes mariées, la fatigue. Il a été délivré aujourd'hui. C'est que tu courais après mariage, là. Tu as prié, tu as jeûné, c'est que tu as fait d'autres, mais sont allés faire des bagbagis, sont allés faire des choses, hein, pour pouvoir avoir un homme, pour pouvoir se marier. C'est que tu t'es marié là, c'était dans quel but? Tu penses que quoi? Il a des soeurs qui peut envoyer chez lui là-bas pour aller manger sa nourriture et puis il va s'occuper d'elle. Si c'est pour ça là, il y a sa maman qui est là. Mais là, si ce sont ses habits là, il y a blanchisseur du quartier, il y a pressing. Si c'est une nourriture, il a des restaurants. C'est que la seule chose qu'il ne peut pas faire comme ça, c'est que c'est un homme qui est posé là, qui ne peut pas se promener pour faire là, c'est le sexe. C'est que quand vous entrez dans le foyer là, vous avez cette maladie là, la fatigue. La fatigue. Je suis fatiguée. Mais si je suis fatiguée, je fais comment? Quand tu étais chez tes parents là-bas, tu n'étais jamais fatiguée. C'est quand tu es rentré dans le foyer là. C'est que surtout quand tu as mis barre au doigt là, c'est fini. Tu lui as mis la corde au cou et tu vas venir maltraiter le pauvre monsieur. Parce que quoi? Le sexe là, c'est très important chez l'homme. Le sexe, très important. Si tu veux un foyer stable, un homme épanoui, c'est seulement parlant. Il faut l'aider à s'épanouir sexuellement parlant. Oui, c'est pour ça que tu es là, ma chérie. À 80% là, c'est pour ça que tu es assise dans sa maison. C'est pour ça qu'il allait dépenser, il a fait tout. C'est comme on dit, on va vous marier là. C'est que tous les amis vont les hésiter. Il faut faire ceci. C'est ça qui a la mode. C'est ça qui a la mode. C'est ça qui a la mode. C'est que le gars, il dépense jusqu'à... À cause de ce petit jardin là. Une fois que tu rentres là, tu fermes tes cuisses comme ça. Bah, tu mets cadenas. Il ne peut pas rentrer là-bas comme ça quand il veut. Pourquoi? Pourquoi? Tu cherchais un colocataire ou bien, tu cherchais un tuteur ou bien, tu cherchais quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui va te financer tes projets, ça qui va te faire briller. Et puis, lui, c'est que quand il fait toi, tu penses qu'il attend quoi en retour de toi? Il attend quoi? Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Qu'est-ce que tu peux... C'est que les enfants, là, c'est le fruit de ce tas-là qui sont les enfants. Non, ce ne sont pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants. Tout c'est Rukasa qui l'a fait.